Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer toutes les récompenses qui sont liées à l'événement d'Avatar sur Fortnite. Donc, comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui à partir de 15h, nous avons reçu un mini pass de combat sur l'événement Élément. Et dans ce pass de combat, vous avez 24 récompenses à débloquer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une catégorie qui est payante. Donc, c'est la catégorie en bas. Toutes les récompenses du bas, elles sont payantes. C'est pour ça qu'il y a un petit verrou dessus. Mais toutes les récompenses qui sont en haut, sur la première ligne, sont des récompenses gratuites. Et le planeur APA, qui est juste ici, lui aussi, c'est une récompense que vous allez pouvoir obtenir gratuitement. Alors, pour débloquer les récompenses payantes, ce que vous allez devoir faire, c'est de dépenser 1000 V-Bucks. Donc, si maintenant vous achetez le pass de combat Avatar, là ça vous coûtera 1000 V-Bucks, mais vous allez pouvoir débloquer toutes les récompenses du bas, plus le skin que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, maintenant, pour débloquer les récompenses qui sont payantes ou gratuites, ce que vous allez devoir faire, c'est de réaliser des défis et débloquer du chi. Alors, le chi, pour débloquer toutes les récompenses, il vous en faudra 11 000. Et pour en obtenir, vous allez devoir aller dans vos défis. Et quand vous êtes dans vos défis éléments, vous avez la possibilité de réaliser plusieurs quêtes. Chaque quête vous rapportera du chi. Donc là, par exemple, si j'inflige des dégâts aux adversaires avec la maîtrise de l'eau et que je termine ce défi, j'obtiendrai 350 de chi. Si je réalise le deuxième défi, j'en obtiendrai 350, etc., etc. Alors, il faut savoir que dans deux jours et 22 heures, nous aurons d'autres défis qui nous rapporteront encore du chi. Alors maintenant, si vous voulez obtenir le planeur APA, là, il vous faudra du chakra. Et pour obtenir du chakra, c'est pareil. Vous allez dans vos défis et vous allez devoir réaliser 4 défis de chaque section de chakra. Donc là, par exemple, aujourd'hui, nous avons la possibilité de réaliser les défis du chakra de l'eau. Quand vous en aurez réalisé 4, vous obtiendrez un chakra. Pareil, dans 2 jours et 22 heures, nous obtiendrons de nouveaux défis. Nous en obtiendrons 6 au total. Et si vous en réalisez 4, vous obtiendrez le chakra de la terre. Ensuite, il y aura le chakra du vent, il y aura le chakra du feu et il y aura 2 autres chakras qui apparaîtront au fur et à mesure que les jours passeront. Et ce que vous allez devoir faire pour débloquer le planeur, c'est d'obtenir les 6 chakras de chaque section. Donc, quand vous aurez les 6 chakras, là, dans votre planeur, dans la section planeur de APA, vous verrez vos chakras qui seront affichés. Donc là, j'en ai 6 au total. Ils sont tous grisés parce que je ne les ai pas encore obtenus. Donc quand j'aurai réussi à obtenir les 6 chakras, en terminant 4 défis de chaque section, bah là, j'obtiendrai enfin le planeur en récompense. Code créateur SCP.